Dieu, littéralement. Est-ce qu'on a commencé? Moun qui pas qui a écouté pour dormir, ils ont été ensemble. Donc, c'est pas parce que l'autre dit, père, mais brebis, il n'y a pas dans la rue, dans le bras, dans le savon, pour lui manger, et puis qu'on est là pour la pluie tomber. Donc, ça fait toujours une zone, toujours une prairie, toujours un côté pour barrer, pour protéger. Donc, il y a un cali, une demeure. Donc, aider les gens, bail les gens, aider les gens pour acheter des cailles, aider les gens pour jouer un logement. Tout ça, c'est ça que l'église là. Ça te gagne dans l'église avant même de gagner lieu d'adoration fixe là. Et puis, non, ça y a fait, l'église pas suspend. L'église continue à faire ça, toute l'église nous fait. Fait tout bagage sur des moun, fait tout bagage sa yo, et ça fait mot diakona, soit suivre encore, soit suivre présentation que nous venons de payer la croix. Mot diakona, diakona, son mot qui veut dire ministère, ça veut dire c'est servir comme un esclave. C'est tellement, tellement apôtre, disciple, et alors les disciples restants, puisque c'est en Italie, et en parlant de Judas. Donc, yon qui ça fait, c'est aider moun distribuer. Là, on te bien fait distribution, te manqué même pour distribuer. Et puis c'est ça fait qu'ils viennent créer le diakona, ils créent diak avec moun kap distribuer manger, distribuer côté pour moun dormi. C'est ça diak qui est, c'est ça diak qui est, moun kap prendre service. Pendant le temps, non, kap pote plateau pain, à divers seulement, non. C'est moun kap moun ou libre, c'est moun kap distribuer pour les moun nan ge possible, moun nan ge problème immigration, qui parle montrer le chemin, kap fait avocat pour lui, kap aide le pays avocat si capable, ou bien kap mette le, qui sorti avec aller dans les ligues, rendez-vous à immigration, ou bien les moun nan mè manger, etc. C'est distribution de service. C'est ça que diak la, yé, dans la Bible là. Bien sûr, je dis à diak Atoune et diak Plateau. Jacques Patrick et Jacques Pélévin, nous tournons. Mais l'église, parce que nous-mêmes, tout ça l'a défini. Pendant que Jésus définit en dehors du temple, pour toute la terre joindre, et puis pour la terre, ça fait une bonté comme ça, pour tout venir entrer dans Christ. Mais nous-mêmes, nous prenons deux, trois personnes qui sont dans Christ, nous mettons en dedans, et puis nous faisons tout ça, et nous disons tout le bagaille, c'est ça qui relève l'église là. Et ça qui est pire la croix. Et donc nous-mêmes, nous allons dans la racine de l'église là depuis la Pentecôte pour nous au lendemain de la Pentecôte pour nous sacrer l'église là. Nous ne parlons pas de l'église, non? L'église là. Donc, ou même qui ratisse, lorsqu'on est que moun, c'est dans sa totalité que Jésus quitte pour nourrir, pour pétri. Oui, temple c'est le centre. Sanctuaire là, c'est le centre de l'église. Parce que but et toute raison qui fait nous convertir nous-mêmes, que bon Dieu partout pour nous convertir, et que nous sous terre, c'est pour nous seulement amener des âmes vers lui, et aussi ça qui est en dedans pour nous faire entrer plus pifond. Ça qui après, dans Jérémie, dans ça que bon Dieu t'a dit, Jérémie pour dire peuple là, il dit, nous avons élargi tant que nous, mais affermissez vos pieux. Et pas sûr, être fait non, il dit, bien sûr. C'est pas pire, m'a dit non, c'est pieux. P-I-E-U-X, c'est gros poteau pour fourrer notre terre qui est bien tantio. Nous avons fait nous élargir tantio, mais il faut faire pieux, avec des poteaux, ça y est, il faut nous entrer au pifon pour ça fermer. Donc, et ça fait, ou même comme artiste évangélique, ou une double mission d'évangélisation. Ou évangélisation à première rencontre, côté où on fait mon envie, donc on élargit tant là. Et puis, avec plus, on a venu pour l'église, on a venu pour l'âge. Ouais, c'est pas mieux l'église, non, pour l'église, là. Avec moun, plus moun accepte Christ, mais aussi, ou bien pour chanter, pour moun qui accepte Christ, et puis qui ont été wop. Il y a des paroles, ou a dit, il y a des messages, ou a bail, il y a des choses, ou a chanté, et pour moun affermi, puis avec pour l'entrée plus fort, pour le plus solide, pour voir, pour l'aller. Donc, c'est ça que fait, ou même courant évangélique. Oui, chanter pour le temple, c'est lui-même qui supposait central là. C'est lui qui supposait pivot là. Donc, ou pas qu'à douceur artiste évangélique, ou pas une chanson d'adoration. Ah, ou pas qu'à. On compose pour vous. Parce que, central, la foi chrétienne, c'est adorer mon Dieu, louer mon Dieu, mettre mon cause à être dans le temple là, ça arrive. Est-ce que nous équilibre là? Donc c'est dans le temple que ça arrive.
Donc, sous d'où sortit l'évangélique, ça qui est important, essence là. C'est elle la chrétienne adorée, bon Dieu. Ou pas capable, ou pas capable de composer pour l'eau. Ou pas capable de composer pour nos services. Donc, un artiste évangélique, lui doit faire sale qu'on est pour le gain des chansons d'adoration, pour le gain des chansons de louange. Toute chanson rituelle, toute chanson qui a servi avec, avec service nous, service en de temps, yo, avec ça, le prix mondial. Et c'est ça qui définit, mais ce n'est pas ça qui finit. Nous avons des ablandis. C'est ça qui définit, mais ce n'est pas ça qui finit. Avec un artiste évangélique qui n'a jamais chanté pour le temps, la difficile pour yo, d'où son artiste évangélique. Et ça me parle tout à l'heure. Un artiste évangélique qui chante seulement pour l'amour, garçon-fille, qui chante seulement pour pays, qui chante seulement pour la nature. Et pas rien de mal dans ça, non. Mais la difficile pour reconnaître un artiste évangélique, parce que ça définit ou non, c'est pas sujet ça. Ça définit ou non, c'est ça qui point pivotal de ça que la foi en Christ. Il s'allie, c'est dans le sanctuaire là. Pour moun adorer mon Dieu et pour adorer mon Dieu faut une relation à mon Dieu. Donc avait dit moun en dedans faut ba une chanson pour parler de relation yo, ou bien parfois pour faire relation vinn pi bien, vinn pi solide. Et puis tout en dedans temple gen moun qui ba mon Dieu gloire, songez dans la louange que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Ça veut tout moun qui a respiré qui dit qu'il a bat. Yo gen ça comme un droit, son droit biblique lié pour ba bon Dieu gloire. Donc il y a un temple pour ba bon Dieu gloire. Donc faut ba louange pour yo. Faut ba louange et pour moun qui connaît Christ déjà et pour qui pas connaît Christ dans temple parce que dans temple fait pour tout moun parce que faut nous inviter moun dans sanctuaire là. Pour inviter moun pour venir tendre formation, formation pasteur bail, formation comité bail, formation quelque chose j'en l'église a stratifié pour le bail. Faut nous inviter avec celle là, faut chanter nous, faut nous ramasser meilleur mettre dedans. Pour nous gagner des chansons et des chansons qui aident dans ce sens. Donc, en dedans, pour nous gagner des chansons de louange. Donc, ou pas capable de louange, ou pas capable de adoration. Dans notre émission, on a parlé de tout détail qui gagne entre louange et adoration, parce que c'est pareil, c'est pareil, très profond, que nous pensons que c'est très profond spirituellement et très profond musicalement. Donc et ça fait, et pour identifier ou pour définir comme artiste évangélique, il faut gagner des chansons d'adoration. Pour gagner des chansons et de louange. Ou qu'à chanter louange seulement. Pas de problème. Il y a pour définir. Parce que définir comme artiste évangélique, parce que chanter louange, c'est le camp de temple, nation de grâce, dans toute cette façon, non pas qu'être bagaille, avait dit pour mon Dieu gloire, pour mon Dieu louange, avec toute la donne. Donc pas de problème. Il y a définir comme tel. Si vous choisissez pour chanter adoration seulement, nous connaissons des artistes évangéliques. Spécialement dans le dernier courant qui a passé sur en Haïti, nous voyons que en plus, c'est adoration seulement chanter. Pas de problème. Et ça fait qu'on identifie quand même comme chanteur évangélique, comme musicien évangélique, comme anti-évangélique pour qui ça? Parce que ça y a fait l'abservi temple, l'abservi sanctuaire. Donc, il au service de ministère pastoral là. Navin on l'autre là avec ça. Mais soyez samdou, chanter pour le sanctuaire. Il définit, mais il n'est pas fini. Ce n'est pas l'ordre d'où il était.